La France est historiquement un grand pays agricole. Mais depuis 30 ans, le nombre d'agriculteurs a été divisé par 3. Un constat inquiétant qui traduit un profond malaise et un avenir incertain, car plus d'un agriculteur sur 3 part à la retraite sans être remplacé. Ce qui est le plus dur, c'est la charge mentale. C'est tout le temps. Il n'y a que des aléas sans arrêt. Faut apprendre à vivre avec les imprévus. Si le métier n'attire plus, c'est souvent à cause de la précarité à laquelle sont confrontés les agriculteurs. Il faut aussi faire face aux aléas climatiques et surtout aux rapports de force avec les grands groupes industriels qui fixent les prix. On se levait le matin pour perdre de l'argent. On a vendu des animaux pour payer les factures. Il faut du temps pour se rendre compte que chez les autres, c'est la même chose et que personne ne s'en sort. À bout de souffle, certains en viennent à renoncer. Chaque jour dans notre pays, 2 agriculteurs se suicident. Une réalité longtemps restée taboue dans la profession. Une fois, il m'avait simplement dit « Tu sais, je ne suis pas plus fort que les autres. » Je me disais « Pourquoi il me dit ça ? Pourquoi est-ce qu'un jour ça vacille dans la vie ?» Mais j'ai rien vu. Pourtant, dans ce contexte fragile, une relève composée de jeunes urbains se lance. Par quête de sens et besoin de retour à la terre, ils créent des fermes sans se douter de ce qui les attend. 99% des fermes, c'est le fils qui reprend l'exploitation du père, ou le fils ou la fille. Hein. Mais en gros, c'est fait pour quelqu'un qui s'y connaît déjà, quoi. Conscient de la situation, des personnalités comme l'acteur et réalisateur Guillaume Canet s'engagent pour la sauvegarde de nos fermes. On va arriver à un point où on n'aura plus de paysans. Et on se demande à un moment qu'est-ce qu'on va manger dans notre assiette en fait. Que ce soit par choix, par loyauté ou par amour, les agriculteurs que je vais rencontrer continuent jour après jour d'exercer leur métier avec passion. Chaque année en France, plus de 20 000 accidents du travail sont recensés sur les exploitations agricoles. J'arrive. 32% des agriculteurs sont victimes d'un accident au cours de leur vie professionnelle. Eh ben, les petits gentils comme toi, hein ? Cette réalité, Estelle la connaît bien. Si aujourd'hui elle est à la tête d'une exploitation de vaches limousines, il y a 3 ans, elle ne connaissait pas du tout le métier d'agriculteur. Hé les titis ! Alors c'est toi qui as fait ça ? Estelle a dû, à 50 ans, tout apprendre du métier de son mari Jean-Paul, décédé brutalement dans un accident de travail. Ça fait 3 ans et demi que je vis au jour le jour. Moi, j'aimais bien planifier une petite vie de bureau tranquille où on commence à telle heure, on termine à telle heure. Là, il n'y a pas d'heure. Il n'y a pas d'heure, c'est n'importe quand. Mais oui, mon titi. Il faut apprendre à vivre avec les imprévus. Les premières piqûres, j'avais jamais fait de piqûre de ma vie. La mécanique, j'ai appris à souder. J'ai tout appris sur le tas au fur et à mesure. On apprend tout le temps. Avant l'accident de son mari, Estelle était fonctionnaire à la direction départementale territoriale de Nancy. À l'époque, la passion de son mari pour son troupeau et la terre l'a laissée perplexe. Pour moi, c'était pas de vacances, c'était une grosse contrainte. 4 heures le dimanche après-midi, tout le monde s'en va pour aller traire les vaches. Enfin, voilà. L'image d'une profession très accaparante. Oui, puis qui m'attirait absolument pas. Quoi. Mmh, oui. Et pourtant ? Et pourtant, bah, j'ai rencontré Jean-Paul en dehors de la ferme. Je ne savais pas qu'il était agriculteur. Ouais. Sinon, je pense que je ne serais jamais tombée amoureuse de lui. Ouais. Estelle a rencontré Jean-Paul en 1990. Un homme de conviction à la tête d'une exploitation agricole pionnière dans le bio et spécialisée dans l'élevage de vaches limousines. Ensemble, le couple a eu 3 enfants.
Jean-Paul, c'était... Oui, c'était ses tripes, donc c'était tout le temps, c'était tout le temps. C'était quelqu'un de passionné, quelqu'un qui, ouais, qui aime son métier, c'était sa vie en fait. Son papa a commencé en bio dans les années 50, avant même qu'il y ait le label, etc. Que ce soit reconnu, c'est vraiment un pionnier. Et donc Jean-Paul est né dans cette ambiance-là. Et il a choisi la race limousine, il a sélectionné ses bêtes et il a monté sur toute sa vie le troupeau qu'il avait quand il est décédé. Le 14 août 2019, Jean-Paul est victime d'un accident de la route mortel au volant de son tracteur alors qu'il se rendait dans ses champs. J'ai un coup de téléphone, donc gendarmerie nationale. Oui. Est-ce que c'est bien votre mari, Jean-Paul André? Oui. Est-ce que je pourrais avoir sa date de naissance? Et moi, dans ma tête, qu'est-ce qu'ils veulent? Pourquoi ils me demandent sa date de naissance? Ils ont qu'à l'appeler, quoi. Et donc, après, j'ai eu une seconde personne qui m'a annoncé qu'il venait de décéder, quoi. Bon, accident de la route, donc. Oui, sur la voie publique, oui, c'est tout seul. Et c'était un village un petit peu plus loin, il y avait une légère courbe. En fait, il a dévié sa trajectoire, ça s'est passé certainement d'une fraction de seconde. La roue avant du tracteur a tapé la tête de pont, elle a été cassée, le tracteur, et puis tout s'est retourné. Gros accident. Quoi. Gros accident. Est-ce qu'il était fatigué ce jour-là? Alors, effectivement, il est fatigué, il est stressé. On avait réservé des vacances. Il venait de me dire juste avant, écoute, je suis vraiment désolée, mais on va pas pouvoir non plus partir en vacances cette année. C'était la deuxième année consécutive qu'on n'allait pas partir. Moi, je l'ai connu, j'avais 17 ans. Tous les ans, on est partis en vacances. Alors, passer... L'effroi de cette nouvelle, vous vous retrouvez quand même instantanément à la tête d'une ferme avec 200 vaches. Vous réalisez quand qu'il va falloir s'occuper de... Ça a été vite parce que donc le jour de l'enterrement, pour moi, la décision était prise dans ma tête. Oui. J'imaginais vendre la ferme, vendre la maison, vendre tout, quitter. Et par rapport à Jean-Paul, moi je suis allée, c'était en été, j'allais dans les parcs et j'allais pleurer. Et il y a les vaches qui venaient autour de moi et qui venaient me respirer. Et c'était. Là pour moi, c'était pas possible de laisser tomber la ferme, de vendre les vaches. Enfin, pour moi, il fallait que les vaches restent. Et je savais qu'en gardant la ferme, j'avais la main sur ce qui allait se passer. Et pour moi, il était hors de question qu'il y ait un jour des engrais sur ces terres. Du moins, c'était mon souhait. C'était vraiment faire honneur à ce que lui avait toujours fait. Et surtout, garder toutes ces valeurs que Jean-Paul portait et les continuer, les faire perdurer. Ça, pour moi, c'était pas possible autrement. Ça pouvait pas s'arrêter là. Ça aurait été le faire mourir une deuxième fois. Oui. Vous prenez la décision de continuer. La décision est prise dans ma tête à ce moment-là. C'est clair, je vais continuer ce qu'il a commencé, ce qu'il peut pas terminer. D'accord. Je me suis rattachée à cette décision et c'est ce qui m'a permis de tenir. Alors ça a été hyper fort au niveau émotionnel. J'ai vécu sa vie en fait. J'ai découvert son métier. Pour moi, son métier, c'était des contraintes. C'était se relever la nuit pour les vélages. C'était que des difficultés. C'était pas de week-end. C'était la galère totale. Et aujourd'hui, c'est complètement l'inverse. J'ai compris ce que c'est que d'être au contact des bêtes, de tirer un veau qui va naître et d'espérer et puis de voir le veau qui est vivant. Quand on voit les petits veaux dans les stabules, moi, aujourd'hui je craque, c'est fabuleux. Et puis tout ce système, tout cet environnement, pouvoir être son propre patron et gérer en fonction de ses valeurs, ça c'est vraiment quelque chose qui est extraordinaire, quoi.
Ses enfants ne désirant pas reprendre l'exploitation, Estelle se lance seule dans l'aventure après avoir obtenu un congé longue durée auprès de son employeur. Alors mon gros, comment ça va ? Non. T'aimes pas quand on te cherche, hein ? Donc vos beaux-parents et ensuite votre mari ont été des sortes de pionniers dans le bio. Alors oui, mon beau-père était un des tout premiers à s'être mis dans cette filière, oui, avec cette manière de voir les choses. Effectivement, aujourd'hui, on est dans un tout petit village rayon. C'est plusieurs agriculteurs en bio dans le village, notamment un gros GAEC qui a développé toute une filière derrière. C'est aussi ça le bio, c'est le travail en collectif, s'entraider entre éleveurs et construire des filières ensemble. Ça, c'est ce que Jean-Paul a fait également. Avant le départ de Jean-Paul, avant que vous soyez propulsé dans cette vie, est-ce que vous étiez autant passionné ? Comme je le suis aujourd'hui, oui. Non. C'est comme, oui, c'est un cadeau. Je ne l'avais jamais vu comme ça, mais effectivement. Seulement, en reprenant l'exploitation de Jean-Paul dans l'urgence, Estelle a dû apprendre le métier au pied levé. Mais grâce aux assurances souscrites par son mari, elle a obtenu l'aide d'un agriculteur les premières semaines. D'accord. Petite dose d'homéopathie, ça ne fera pas de mal. Allez, viens ma fille, viens. Depuis, elle a recruté Fabien, un apprenti qui l'épaule au quotidien. Oh là là. Deux mois après la mort de Jean-Paul, en octobre 2019, Fabien est venu travailler à la ferme. Avec Estelle, il a découvert l'élevage biologique et le binôme a trouvé ses marques rapidement. Depuis janvier 2023, Estelle et Fabien sont même devenus associés. Ah, t'attends la farine, toi. Oui, il attend que ça, là. Leurs parcours respectifs ont fini par les rapprocher et leur ont donné envie de se soutenir mutuellement. Je suis issu du milieu agricole et j'ai eu aussi des expériences personnelles pas agréables. Et voilà, j'avais été un peu à droite, à gauche en France, j'ai vagabondé. J'étais un peu perdu. Vous aviez entendu parler de l'histoire d'Estelle ? J'en avais entendu parler parce que le monde de la campagne est petit. Ça va vite à circuler de village en village. On a vécu un drame aussi dans ma famille et ça s'est très mal passé après. Et je voulais pas que ça recommence là, quoi, en fait. J'avais peur de ça. Et puis j'ai dit, on va essayer. Ça me coûte rien d'essayer. Et puis ça fait 3 ans, je suis toujours là. Bientôt 4. Avec ce que vous avez vécu, il y a des activités dangereuses. C'est des vaches allaitantes, très défensives quand elles ont eu un veau. Oui. Moi, je me suis vue arriver dans un parc, la vache qui déboulait à toute vitesse vers moi parce qu'elle avait vu quelqu'un. Et quand elles ont des veaux, elles ont un comportement qui est plus du tout comme d'habitude. Donc il faut être vraiment très très vigilant avec les bêtes, hein, de toute façon. Ouais. Chez les êtres humains, il y a des réactions qu'on ne comprend pas. Chez les vaches, ça peut être pareil. Ouais. Après, tous les outils qu'on utilise pour travailler, il y a un danger aussi. Il faut faire attention et être prudent. Pourquoi est-ce que vous avez choisi ce métier à la base d'agriculteur ? Une passion, ouais. Une passion d'enfance. Et aujourd'hui, avec Estelle dans cette ferme, est-ce que vous touchez du bout des doigts le rêve d'enfant que vous aviez ? Bah, depuis le 1er janvier, c'est fait. Je suis devenu agriculteur, donc c'est fait. D'accord. Donc heureux. Franchement, grâce à Estelle. Si Estelle et Fabien ont trouvé un mode de fonctionnement qui leur convient, pour d'autres agriculteurs, l'équilibre est très précaire et le travail, source d'angoisse et de mal-être. En 2021, Vincent, le mari de Cathy, agriculteur depuis 35 ans, a mis fin à ses jours. Une fois, il m'avait simplement dit, tu sais, je suis pas plus fort que les autres. Je me disais, pourquoi il me dit ça ? Pourquoi est-ce qu'un jour ça vacille dans la vie ? Mais j'ai rien vu.
Mais son travail l'a détruit. Et ce qui a fait qu'il s'est détruit. Tout ça parce qu'il faut suivre des réglementations. Tout ça parce qu'on vous harcèle, qu'il faut payer par n'importe quel moyen. Qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? J'ai bossé comme un con, comme il disait, pour en arriver là. Je crois qu'à un moment, il a voulu que ça s'arrête. Il a voulu que ça s'arrête, cette souffrance qu'il avait au fond de lui, et puis tout ce... cet acharnement qui était autour de lui. C'était un ras-le-bol, ouais. Un ras-le-bol de tout ça. Ben, prends soin, toi. Si, prends le pichet. Prends le pichet. Vas-y, prends le pichet. Hop, bah ouais. Voilà. Tout le monde a de la contribution. Cathy a rencontré son mari, le père de ses deux enfants, en 1987. Deux ans après leur rencontre, Vincent souhaite créer, comme ses parents avant lui, sa propre exploitation. Il s'investit pleinement auprès de son troupeau de vaches, tandis que Cathy occupe un poste de vendeuse pour assurer à la famille un revenu stable. Non. On est parti de zéro. On n'avait rien. Moi, je travaillais dans un hypermarché. Lui, il sortait de l'armée. Ni l'un ni l'autre, on n'avait pas d'argent pour investir dans une petite ferme. Donc, on a commencé à moins, comme on dit, hein, sur les comptes. Ouais. On va aux banques. Et puis, mon beau-père s'était porté garant. On a fait construire. Ils se sont basés sur mon salaire parce que Vincent n'avait pas de salaire. J'avais les deux enfants. Et j'ai dit, on va y arriver. Il a commencé avec 10 vaches. Et puis, on a continué notre bonhomme de chemin, tranquillement. Il montrait une grande assurance, quand même. On va y arriver, je vais y arriver. Et puis, j'aime ça, donc il n'y a pas de raison. Quand on travaille... C'est un métier passion, hein. Oui, c'est des métiers passion. En entreprenant, quoi. Oui. Il débordait de projets, oui. Enthousiaste. Claire et Jean-Simon, vous êtes donc les enfants de Vincent. Quels souvenirs vous gardez de votre enfance? Que des bons souvenirs, enfin. Ouais. De la joie, du rire. Le fait d'aimer beaucoup les animaux, parce que mon papa aimait beaucoup les animaux, on était toujours avec. On a connu les moissonneuses, on est rentré dans les moissonneuses. Les enfants, des fois, ne savent pas ce que c'est. Ou n'ont jamais fait un tour de moissonneuse, ou un tour de tracteur. Ou... On avait beaucoup d'amis aussi, quand même. Hein. Ouais. Il y a beaucoup d'associations. Mon mari aimait faire partie d'associations. Il a été conseiller municipal. On était quand même... On s'ennuyait pas, quoi. Non. Non, jamais. Ouais. Pour moi, ce que je me souviens, il se donnait toujours à 100%. Que ce soit dans son métier et dans la vie de famille. Est-ce que tous les deux, vous envisagez de reprendre la ferme? Moi, étant petite, j'aimais bien les animaux, mais ça restait là. C'était ouais. Juste un plaisir. Non, jamais imaginé. Au début, non. Après, c'est venu tout seul. Maman voulait pas. Non, mais je voulais vraiment pas. Et pourtant, t'avais fait... Pourquoi vous ne vouliez pas, Cathy? Parce que vous aviez vu votre mari vous s'éreinter à faire ce boulot? C'est ça. Ouais. Puis après, je lui ai dit, mais va salarié, va. Va, je dis, tu sais, salarié, oui, voilà, t'auras un salaire, oui, c'est ça. Tu vas pouvoir vivre tous les mois, tu vas pouvoir compter sur un revenu fixe. Voilà, c'est ça. Oui. Parce que c'est galère quand même. On voyait bien par moment. Oui, rentrer, les coups de téléphone, j'en ai marre, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça, pourquoi que ça s'est encore cassé, machin. Oui. Mais ça va aller. Il prenait la calculatrice souvent. Ouais. Au bout de table, il prenait la calculatrice. J'ai dit, ça va pas, Non, mais t'inquiète pas, ça va aller. Ça va aller. C'est toujours ça. C'était toujours, ça va aller. En réalité, Vincent est asphyxié par les prêts, les dettes et des créanciers qui le relancent sans arrêt. Exténué, il continue pourtant de faire bonne figure devant ses proches. À ta place. Moi qui conduis. À ta place.
Ignorant tout de la situation financière de son père, en 2018, Jean Simon le rejoint à l'exploitation, espérant reprendre le flambeau. Durant ces 2 ans et demi, ça s'est super bien passé. Même le confinement, en y repensant, j'étais qu'avec mon père. J'ai passé H24 avec mon père, hein, et ça se passait super bien. C'était la personne avec qui je parlais le plus, que je rigolais le plus. C'était aussi mon meilleur ami, quoi. Je passais tout mon temps avec lui. Mais en 2020, le père de famille connaît un nouveau revers de fortune. Son troupeau de vaches est contaminé par une bactérie qu'il doit traiter en urgence. Malgré un an de protocole et de lourdes dépenses engagées pour soigner ses bêtes, les autorités sanitaires obligent Vincent à se débarrasser de son troupeau. On pouvait les garder encore, mais il fallait encore payer pour vacciner, mais ça ne servait plus à rien. Donc dans le coup, mon père l'a très mal vécu. Hein. Il a dit c'est comme si on avait jeté 35 ans de son travail à la poubelle. Donc on a réinvesti dans un troupeau tout en se débarrassant de l'autre. Alors, au pire moment, quoi, en 2020, quoi, là où les prix de la viande étaient ras les pâquerettes, c'était l'année où on pouvait pas semer de blé, les prix étaient bas, c'était affreux. Ça, votre père, ça a été le coup de grâce. Oui, 70 vaches, ouais, à l'abattoir. 70 vaches. Mais c'était nos vaches, quoi. Bien sûr. Qu'on le veuille ou non, on s'y attache, quoi. Moi, j'étais concerné, mais j'ai dit, bon, bah, on repart à neuf, mais j'avais pas vu que mon père, ça l'avait touché un peu dans son estime à ce moment-là. Ouais. Il nous le cachait, hein, ouais. Souvent comme ça. Ici, c'est chacun ses... Enfin, on se mêle pas des problèmes des autres. On garde son malheur pour soi, quoi. Même dans la famille, on parlait jamais des difficultés de la famille. Jamais. Non. C'est ce qui va faire basculer votre père à nouveau dans sans doute une dépression profonde. Il va mettre fin à ses jours. C'est quelque chose que vous craignez ou que vous aviez envisagé, en tout cas, à un moment ou à un jamais. Autre ? Jamais. Jamais. Au moment que mon père se suicidait, il y en avait déjà 2-3 qui s'étaient suicidés dans l'année, dans le coin. Dans le coin ? Je comprenais pas pourquoi qu'on réagissait pas, que personne n'agisse, quoi. Mon père, c'était quelqu'un de très fort. Hein. Jamais j'aurais envisagé... qu'il puisse en arriver là, ou qu'il puisse y songer. Avec le recul aujourd'hui, c'est pas pareil. Parce que malheureusement, j'ai pris sa place. En tant qu'agriculteur, je peux comprendre qu'on arrive là, mais en tant que fils, c'est invraisemblable. Vous lui en voulez un peu, hein ? Ah oui. Ouais. Ouais, ouais. Il me l'a fait à l'envers, ouais. Le jour où c'est arrivé, il m'a dit, tu peux aller chercher un boulon, un pauvre boulon. Mon père me faisait jamais déplacer pour rien, quoi. Normalement, quand on va chercher des pièces, on va chercher des pièces, quoi. J'ai dit, bon, bah, si tu veux, je vais aller chercher. Moi, il est 11h30, hop, le temps, on mange après. Ouais. Il m'avait dit, va chercher le boulon. Il a attendu que je sois à 20 minutes de route. Et puis là, c'est mon oncle qui m'a appelé, mon oncle Jean, son frère. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Un problème avec un voisin, quelqu'un? Je suis arrivé, il y avait mon grand-père et puis mon oncle. Puis les pompiers sont arrivés. Ils m'ont dit, n'allez pas le voir, c'est pas joli. Ouais. J'ai pas été. Puis après, toute la machine s'est lancée, le SAMU, les gendarmes. Une journée qui était complètement en dehors du temps. Oui. J'étais obligé d'appeler ma sœur. C'est moi qui l'ai dit à ma sœur. J'ai pas pu le dire à ma mère. C'est mon grand-père qui a pris le téléphone. Donc j'ai eu mon beau-père et mon beau-père me dit « Faut que tu viennes, c'est Vincent. » Et je suis arrivée en haut, là, à la coopérative, et au loin, j'ai vu des voitures. J'ai vu... le camion de SAMU, de loin, un camion de gendarmerie. Et je suis arrivée dans la cour. Mon fils était au loin et je suis descendue. Et mon beau-père m'a dit, Vincent s'est suicidé. Et là, je me suis mise à hurler et vous vous dites, je me suis dit, j'ai dit, mais pourquoi?
moi je t'aime. Je me souviens, j'ai dit ça, j'ai dit, mais moi je t'aime, Vincent. Et je suis montée, j'ai pris un coussin qui était là, et voilà. Après, mes parents sont venus, ma sœur est venue, mes frères. Et j'ai tourné dans la maison avec mon coussin pendant je sais pas combien de temps. Et on a été dans son bureau et effectivement, il nous a laissé un courrier. Je vais vous faire de la peine, mais la vie m'est devenue insupportable. Je vous aime très fort, mais j'en peux plus. Mille pardons. Mon geste est inqualifiable, mais je ne supporte plus ce boulot. Je vous laisse avec mille baisers. Pardon à tous, je vous aime. Et là, vous vous dites... c'est pas possible, c'est... Oh, il écrit ça et il s'en va. Et voilà. Le mal-être paysan, l'acteur et réalisateur Guillaume Canet en a pris lui aussi conscience en incarnant un agriculteur qui sombre jusqu'au suicide dans le film autobiographique d'Edouard Bergeon, Au nom de la terre. Pour s'en sortir, t'as qu'une seule solution, c'est de partir. Moi, papa, je prendrai la suite au grand bois. C'est fini, grand bois, si tu passais. Un rôle qui l'a profondément bouleversé et qui lui a donné envie de s'engager auprès des associations d'entraide d'agriculteurs. Au moins le sais-tu que tout le temps qui passe. Vous savez, en fait, on a tous dans cette pièce un rapport avec l'agriculture. Si on monte dans l'arbre généalogique, on vient tous de paysans. Obligatoirement. Obligatoirement. Donc c'est là que c'est là que le bât blesse en fait aujourd'hui. C'est qu'on oublie trop ça en fait. Donc c'est vrai que moi, mes parents, mon arrière-grand-père par exemple était berger en Andalousie. Mon grand-père qui était camionneur qui transportait du blé en Algérie. Il y a quand même, d'une manière ou d'une autre, une connexion avec la terre. Ouais. Il n'y a plus de trésorerie, là. On est à sec. Monsieur Largeau, les avances de trésorerie, ça commence à faire beaucoup. Surtout cumulé avec l'ensemble des prêts. T'es quoi ces conneries? Tu vas te remettre un crédit sur le dos? En 2019, vous incarnez un exploitant dans le film d'Edouard Bergeon, Au nom de la terre. Au lieu d'aller foutre la main dans le système, t'étais jusqu'au cou dans le système. Moi, au moins, j'étais libre. Mais qu'est-ce que tu veux, en fait? Qu'est-ce que tu cherches? Qui se démerde. Pour ce film, en fait, vous êtes revenu à la terre un peu, ou vous êtes... Revenu, non, parce que j'ai toujours été, même à travers toute mon adolescence et le milieu du cheval et la compétition, enfin, quand je montais à cheval, j'étais de manière quotidienne... au contact des animaux et de la terre, et donc on faisait les foins, enfin voilà, c'était mon quotidien. Mais simplement, par contre, j'ai pris conscience en tournant le film d'une chose essentielle que je n'avais pas forcément vue, parce que quand même les paysans, les agriculteurs sont des gens assez taiseux et ils ne s'épanchent pas forcément sur leurs problèmes, ils n'osent pas forcément témoigner de leurs difficultés. Mais quand on a tourné le film avec Edouard, là, je prends une tarte, mais monumentale, parce que c'est l'histoire de son père qui va faire une tentative de suicide. Et quand vous avez un metteur en scène qui vous raconte comment son père l'a réveillé en pleine nuit, après avoir bu des pesticides, bon, c'est des détails qui sont extrêmement remuants, frappants. Et tout au long du film, j'ai vécu que des témoignages, puisque le film ouvrait tout d'un coup un peu la parole. C'est-à-dire que les agriculteurs avec qui on travaillait sur place se mettaient à parler un petit peu, en fait. Et là, j'ai pris conscience du nombre de suicides. C'est-à-dire que là, on se parle aujourd'hui, il y en a un qui s'est déjà suicidé, ou peut-être qui va se suicider dans la journée. Et ça, c'est tous les jours. Et ça, c'est un truc qui m'a vraiment évidemment frappé. Et du coup, à la fin du tournage, je me suis dit, ça peut pas rester qu'un film. Donc j'ai dit à Edouard, j'aimerais bien monter une association, faire quelque chose pour aider les agriculteurs, pour voir si on peut pas, même avec la sortie du film, aider une association. Et puis, évidemment, et c'est formidable, une association existait déjà, c'était la Solidarité Paysan.
Et ce sont beaucoup de bénévoles qui viennent dans des familles quand ils sont appelés, souvent pas par la personne en elle-même, mais par des familles, des amis, et qui viennent pour essayer de sortir la tête de l'eau. Et donc, du coup, on a aidé avec l'association, on a aidé à ce que, par exemple, il y ait une partie des recettes du film qui aille à l'association. Maintenant, on se rend compte que c'est très, très difficile de faire vraiment rentrer dans la tête des gens que ce problème est un problème primordial. Moi, je suis un citoyen du monde, j'ai des enfants, et il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses que je ne comprends pas, il y a des choses qui me paraissent totalement folles. J'ai du mal à comprendre qu'on importe des tourteaux de soja bourrés d'OGM, alors que l'OGM est interdit en France. J'ai du mal à me dire qu'il y a plus de 60 000 tonnes de viande bovine qui sont importées en France alors qu'on a complètement la capacité de produire de la viande en France. J'ai du mal avec le fait qu'il y ait 200 fermes par semaine qui disparaissent. Donc on se dit, on va arriver à un point où on n'aura plus de paysans, en fait. Et voilà, et on se demande à un moment qu'est-ce qu'on va manger dans notre assiette, en fait. Quand on vit, par exemple, en province, et d'aller chez le fermier du coin pour acheter un poulet ou des légumes, mais qu'on se dit, on va plutôt aller au supermarché du coin, parce que c'est quand même plus pratique, c'est plus rapide, on met tout dans le caddie et on a tout. C'est à nous de prendre ces décisions-là aussi. Et si on les prend, et que si chacun fait son petit colibri, son petite part de boulot là-dedans, ça va évoluer. Parce que même les politiques aujourd'hui, ils ne peuvent pas changer les industriels, en fait. Ils sont à la merci des industriels. Donc en fait, il n'y a que quand les industriels vont se rendre compte que le consommateur ne veut plus de ça, ils vont changer leur fusil d'épaule. Mais c'est un problème beaucoup plus important que ce qu'on imagine, en fait. C'est avec ça qu'on fonctionne, en fait. C'est notre carburant, oui, ce qu'on mange. Et quand on voit la merde qui est servie des fois dans nos assiettes, et dans les assiettes, dans les cantines, par exemple, parfois, c'est fou, en fait. Parce qu'aujourd'hui, la seule chose à faire, c'est que nos enfants remettent les mains dans la terre. C'est ça le plus important. Ce besoin de transmettre dont parle Guillaume Canet est très ancré chez Régis également. Ah, c'est qui ? C'est Linda ? Non. Ah oui ? Non. Non, c'est Mimi qui arrive. Producteur de lait, il a repris l'exploitation familiale héritée de ses ancêtres depuis 4 générations. Est-ce que tu veux faire Mimi ? Tu veux faire Mimi ? Allez, vas-y. Allez, viens là, vas-y. C'est bon. Je suis né sur la ferme et j'ai grandi sur la ferme. Et depuis tout petit, la passion et l'amour des vaches l'a emporté et puis ça s'est fait naturellement. Je pense sincèrement, ouais, que c'est quelque chose qu'on a dans nos gènes, quoi, la passion pour la vache laitière. Régis est l'un des 45 000 producteurs de lait en France. Un métier qui tente à disparaître, car il y a 40 ans, la France en recensait plus de 800 000. Tu repars à quelle heure cet après-midi à la ferme ? Je vais retourner là. Ouais. T'en as pour combien de temps ? Et si le métier attire moins, c'est parce que les agriculteurs ont bien souvent du mal à se dégager un salaire. En 2009, puis en 2015, deux crises du lait font chuter les prix. Les grands groupes industriels imposent aux agriculteurs un prix d'achat inférieur au coût de production. Régis se retrouve comme tous les producteurs à vendre son lait à perte. Ça a été compliqué. Se retrouver en l'espace de 6 mois à ne plus pouvoir payer nos factures, à devoir vendre des animaux pour faire de la trésorerie. Et moi, la
différence de mes associés à cette époque-là, j'avais encore pas fini de rembourser mes emprunts jeune agriculteur. Alors les premiers temps, c'était le salaire de madame qui épongeait, mais ben, à un moment donné, faire vivre une famille, plus redonner 850 euros tous les mois à la banque pour rembourser les emprunts et puis tout le reste, eh ben, ça devient très compliqué. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut être solide aussi. Hein. Ouais. Le couple doit être solide. Ouais. Au départ, on n'en parlait pas beaucoup. Moi, je trouve qu'on n'en parlait pas. Parce que l'agriculteur, il est fier. Et moi, j'avais un esprit salarié. C'est-à-dire que quand on dit à un salarié « Ah, mon métier, ça va pas, mon travail, ça va pas », c'est soit mon patron, il me gonfle, soit j'ai trop de travail, mais jamais un problème de « j'ai pas de salaire à la fin du mois ». Parce qu'avec tout ça, notre salaire, il tombe quand même à la fin du mois. Lui, quand il me disait que son travail n'allait pas, moi, j'avais pas dans l'esprit, je me mets pas de salaire. Il y a le premier hiver où on a eu des grosses difficultés à payer l'électricité. Les factures d'électricité. Voilà, on a demandé de l'aide à nos parents. On a emprunté aux parents. Parce que là, de toute façon, jusqu'à quelques reprises où Emmanuel est allé faire les courses et où la carte n'est pas passée. Donc là, c'est quand même pas simple. Moi, j'ai jamais connu ça. Je me suis retrouvée à la caisse et la carte a bloqué. Et en fait, j'ai complètement paniqué en me disant... Enfin, on a le regard des gens. Ouais. On a un caddie. On peut pas payer. On s'excuse. Et on regarde le regard des gens qui se disent bah, « En plus, elle a pris des choses qui sont pas forcément utiles, comme du chocolat, et elle peut pas payer. Mmh. » Et rien que de le dire encore, j'en ai... Voilà. Mmh. Oui, il y a le droit. Hein. Elle dure combien de temps, cette situation, où vous ne pouvez... Où vous perdez de l'argent, finalement, hein? Enfin, on a eu 7 mois, alors pas forcément 7 mois consécutifs, mais on a été 7 mois où on était en incapacité de se verser un salaire. Moi, j'avais toujours dit à Emmanuel, si ça n'évolue pas dans les 24 prochains mois, de toute manière, moi, j'arrêterai la production laitière. Parce que c'est pas possible de travailler comme ça et sans aucune reconnaissance. Mmh. Et Emmanuel, vous, est-ce qu'à un moment, vous vous dites tout ça pour ça, est-ce que... Ouais, c'est des métiers passion. Je voyais pas Régis dans autre chose. Donc, je me disais, mais s'il lâche tout, mais moi, je perds mon mari, quoi. Ouais. Il va dépérir, quoi. Il va perdre ses animaux. Je dirais pas que c'est tout pour lui, mais voilà, ça fait partie de lui. C'est souvent des fermes familiales, avec toute la charge familiale qu'il y a au-dessus. C'est je t'ai laissé un patrimoine, je t'ai laissé une ferme qui tournait plutôt pas mal. Ouais. Et t'as pas réussi à garder le cap. Donc, le fils qui va dire ça à son père. Ouais. Mmh. Et donc non, je pouvais pas m'imaginer qu'il lâcherait tout. C'est pour ça que je pouvais que l'encourager à se battre. Pendant 18 mois, Régis va militer avec d'autres éleveurs pour que Lactalis, le groupe industriel avec qui il travaille depuis toujours, achète son lait au juste prix. Aujourd'hui, il y a des gens de tous bords, parce que le monde de l'élevage en a ras la casquette, des gens qui nous promettent des 1100 choses et on n'en voit jamais la couleur. Éleveurs bovins, mais aussi producteurs de porc ou de lait, ils sont tous prêts à rester là plusieurs jours pour maintenir la pression sur les distributeurs et les transformateurs. Je voulais quand même essayer de, alors pas forcément que pour moi, mais pour moi et pour tous mes collègues laitiers français, de me dire, il faut absolument qu'on mette des choses en place. On ne peut pas les laisser mourir comme ça. Alors ça a donné quoi? Ça fait combien de bottes? 158, tu es allé compter. Donc j'ai mis en place des blocages de centrales d'achat, j'ai mis en place des manifestations. C'était plus fort que moi, enfin, c'est dans ma nature et je voulais me battre, au moins me dire je me suis battu jusqu'au bout. J'aurais peut-être rien gagné, mais au moins je pourrais pas me dire j'ai laissé faire.
À cette époque, Rémi et Gaël, le cousin et le frère de Régis, associés avec lui sur la ferme familiale, manifestent eux aussi contre les centrales d'achat en faisant grève pendant 2 semaines. Programme semaine prochaine. Et on voulait bien nous donner à peu près 32 centimes du litre quand on en avait besoin de 36 ou 37 à l'époque, quoi. Il n'y a pas beaucoup de produits qui sont vendus sans que le producteur fixe le prix. C'est le problème. Et nous, on n'a aucun droit sur le prix. On a un produit qu'on vend et c'est pas nous qui faisons la facture. On a beau dire que nos coûts de production ne sont pas couverts par le prix qu'ils nous donnent, débrouillez-vous, produisez à moins cher, faites comme vous voulez, mais on n'en a rien à faire. C'est ça. Nous, de toute façon, on vous le paye tant, vous y arrivez pas, c'est pas grave. C'est pas notre problème. Est-ce qu'à un moment, vous avez eu l'envie d'abandonner ? Alors déjà, on peut être éventuellement dans le rouge au niveau de la banque, mais si on arrête, on sera encore plus dans le rouge parce que tous nos prêts ne sont pas remboursés et notre outil de travail ne vaut rien, puisque à l'époque, il n'y a pas un fou, j'allais dire, qui aurait voulu reprendre. C'est ça. Puisque de toute façon, ils savent qu'on perd de l'argent tous les jours. Donc personne se présente en disant « moi, je veux bien vous racheter votre exploitation au juste prix ». Et on arrive à des situations tellement loin, malheureusement, que des fois, ça... on peut même plus remonter la pente, c'est terminé, c'est un drame. On ne savait pas jusqu'où ça pouvait se terminer, comment ça pouvait se terminer. Dans le moment, c'est un peu sauf qui peut, quoi. On limite les investissements au maximum. Tant qu'on arrive à survivre, tant mieux, c'est survivre. Hein. C'était un peu ça, quoi, dans le moment. Quoi. Qu'est-ce qui vous a fait tenir, vous, tous les trois ? Pour moi, personnellement, c'est déjà justement d'être trois. Oui. Parce que déjà, on peut en discuter. Et donc, c'est toujours plus facile quand on a des coups de mou, on les a pas forcément tous les trois ensemble. Donc, on relève la tête et on se dit, on le fait aussi, on est trois et ça aide dans les moments de coups durs, dans les doutes. Moi, ce que j'ai toujours déploré, c'est que le monde agricole est un monde fermé et en fait, au départ, on a vraiment l'impression d'être plus mauvais que les autres. Parce que on se dit mais comment ils font les autres quoi pour arriver à tenir quoi. Et il faut du temps pour se rendre compte qu'en fait on est tous dans la même galère et on est tous embarqués dans ce même bateau qui s'en va complètement à la dérive. Comme un appel au secours, Régis décide de médiatiser au niveau national la problématique des producteurs de lait. C'est dans l'émission Envoyé spécial qu'il dénonce pour la première fois les pratiques de Lactalis. Il espère alors faire plier le géant industriel. Le beurre sur votre table, c'est pas du Lactalis ? Non. Il y a 3 ans, j'étais fier d'acheter Lactalis. Je prenais Lactalis. Et puis aujourd'hui, non, c'est clair que depuis quelques mois, j'invite les gens à ne pas acheter Lactalis parce que je vois pas pourquoi ça irait que dans un sens, quoi. Nous prendre pour des cons de cette manière, c'est... Non, je supporte pas d'être pris pour cet esclave-là. Cette prise de parole, Régis va la payer très cher. 3 mois après la diffusion du reportage, lui, ses 2 associés et 5 autres producteurs de lait de la région reçoivent un courrier de Lactalis. Une lettre qui nous notifie que la collaboration est rompue et est terminée entre Lactalis et nous. Pour dénigrement de la marque, voilà, tout simplement. Je précise, à un moment où Lactalis fait des... Voilà. Bénéfice conséquent, on va dire. Et que c'est affiché dans la presse partout. Voilà. Et... On commence à racheter des usines, notamment dans les pays de l'Est et autres, forcément, ça pose des questions. Quoi. Est-ce qu'à un moment, Régis, vous vous en êtes voulu ? Automatiquement, on se dit, j'ai peut-être embarqué un peu beaucoup de monde dans la misère. Quoi. Après, voilà, on ne peut pas non plus que s'en vouloir. À un moment donné, il faut se dire, il faut qu'on avance. Il faut trouver une solution, et on va continuer à se battre. Et puis, advienne ce que pourra, quoi. Pour éviter d'être pris au piège du système agro-industriel,
un nouveau genre d'agriculteur se lance dans un mode de production en circuit court, vendant en direct de l'agriculteur au consommateur. Ok, désherbage des blettes et après on fera les betteraves aussi. En Seine-Saint-Denis, à deux pas du RER et des immeubles, Florian et Brice, deux citadins qui ne connaissaient rien à l'agriculture il y a quelques années, se sont lancés le défi de créer un potager périurbain pour renouer avec la terre et pouvoir vendre leurs légumes aux habitants du 93. Je vous rejoins après, ok ? À tout à l'heure. Florian et Brice sont ce que l'on appelle des néo-ruraux. Alors, les petits navets, les chouraves, qu'est-ce que t'en penses ? À l'inverse des fermes traditionnelles et du monde rural, ils proposent une agriculture très localisée, à destination des citadins. Aujourd'hui, ils travaillent avec deux stagiaires, très loin des tatamis de taekwondo que Florian a toujours connus. Moi, j'étais sportive de haut niveau pendant 12 ans. Et puis, j'ai arrêté ma carrière pas très longtemps après les Jeux Olympiques de Rio, fin 2017. J'ai eu la chance de vivre de mon sport, mais j'avais fait le tour en fait dans le sport de haut niveau et ça me manquait vraiment de sens pour moi. Pendant la fin de ma carrière, je me posais déjà des questions sur le sens que je mettais à gagner des médailles. Bah, après, j'ai toujours eu quand même une âme, de par mon sport, à faire attention à mon alimentation, mais aussi très tournée sur l'écologie, l'environnement. Et j'avais vraiment envie de revenir à des choses essentielles, tourner vers les autres, parce que quand on est sportif de haut niveau, on est très centré sur soi. On est quand même très déconnecté de la réalité. Ça, c'est agréable. Hein. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose de manuel, de me reconnecter. D'où mon envie de retourner en fait, vraiment à la terre. Bah moi, c'était autre chose. J'étais dans l'audiovisuel. J'étais ingé son et compositeur de musique. Voilà, je travaillais beaucoup à l'intérieur, beaucoup enfermé. J'avais besoin de retrouver un peu le grand air, en fait. Quand j'étais petit, j'adorais jouer dehors, j'adorais être en extérieur tout le temps. Et où est-ce que tu peux jouer dehors? Bah, quand t'es agriculteur, tu joues dehors, en fait. Non, c'était vraiment plus une quête de bien-être et de sens. Cette reconversion, les deux amis l'ont démarré il y a 4 ans. Après leur rencontre lors d'une formation pour apprendre le métier d'agriculteur, ils décident d'investir ce parc de 5 hectares avec l'aide du département. Aujourd'hui, ils cultivent des légumes de saison bio en plein cœur de la Seine-Saint-Denis. Je confirme que nous sommes vraiment en zone périculture urbaine, car le vent vient de là-bas et je viens d'entendre le jingle de la gare RER qui est à côté. Exactement. C'est fait super. Donc, bien. Non. Ouais. C'est tout autour, on a la gare RER qui est juste derrière, on a l'aéroport, la francilienne, et puis bien sûr les pavillons et puis les cités aussi. On est entouré de la ville, quoi. Ouais, ça demande des compétences différentes aussi que quand on est en milieu agricole, juste. Parce que là, il faut aussi intégrer les populations locales. Il faut que la ferme soit ouverte aux gens, pour que ce soit accessible. Il faut être adapté aussi avec une offre un peu plus découverte et pédagogique, tournée vers les habitants. On ne peut pas arriver ici, mettre des clôtures et dire « circuler, il n'y a rien à voir ». On est obligé un peu d'ouvrir et de se tourner vers les gens. C'est aussi pour ça qu'on a une formation qui est plus tournée vers le monde urbain. Donc on fait de l'agriculture urbaine. On fait aussi, on n'est pas rural. Et c'est pour ça que notre passé aussi d'urbain nous aide. Parce qu'on connaît aussi les populations urbaines, on sait ce qu'elles aiment. Un peu partout en Île-de-France, on pourrait mettre des petites fermes urbaines comme ça pour nourrir localement des populations, ou même si c'est pas pour les nourrir, pour leur remettre la main à la terre, quoi. Les faire jardiner, les reconnecter aux racines, en fait. Et voir que ces métiers existent, pour pourquoi pas leur donner envie de partir à la campagne. On voit plein de néo-ruraux, des gens qui ont envie d'aller s'installer à la campagne. Bah, s'ils ont un endroit pour venir voir à quoi ça ressemble, c'est pas mal. On se dit qu'on peut être cette fenêtre sur le monde agricole. Mmh. Que connaissiez-vous à l'agriculture, l'un comme l'autre, avant votre reconversion? Bah, c'était ce qu'on voit à travers la fenêtre des trains, quoi. Ouais. On voit les grandes cultures, on sait pas ce que c'est, on reconnaît à peine un champ de colza. On sait pas, on voit un champ de betteraves, on sait même pas que c'est des betteraves. En tant qu'urbain, on est vraiment des quiches. Hein. Ouais. On se dit, mais je sais même pas ce qui pousse dans mon pays. Je vois des grandes cultures, je sais même pas dire à mon gamin ce que c'est, quoi. Et c'est là que tu prends conscience, tu fais, non,
S'il y a un truc qui cloche, on est trop déconnecté, quoi. Si t'as une pomme de terre dans ton assiette, mais ouais, mais c'est quelqu'un qui l'a. Moi, j'en suis à ce point-là, des fois, hein, à dire, mais attends, ouais, mais. C'est pas arrivé comme ça, quoi. Il y a quelqu'un derrière qui a travaillé sa terre, qui a planté ses patates, pour que toi, tu puisses manger et te nourrir. Et qui est quand même quelque chose d'essentiel et vital. Alors, parlons du potager du Grand Paname. Ouais. Il est né comment et quand, ce projet ? Elle est née en 2020. On a créé la boîte en mars 2020. Ouais. Mais après, il y a eu juste avant Covid. Alors, super. On crée la boîte tout content. Ouais, on va s'installer, c'est cool. Et là, bim, Covid. Pas d'accès au parc. Il ferme tous les parcs. Nous, on devait s'installer, on devait monter les serres, on était partis et tout. On avait déjà cherché les sous. On se retrouve coincé, pas d'accès au foncier. Et bah du coup, on est retourné au bureau administratif. On a bouffé encore 6 mois de paperasse. Mais c'était pas plus mal, ça commençait à se déconfiner. On a reçu les clés et là c'était parti quoi. On était trop contents, on a construit la serre nous-mêmes, la première. La formation qu'on a faite à l'école du Breuil a été créée dans ce but-là, de former des porteurs d'activités qui utilisent tous les espaces possibles en ville et en périurbain. Il y a plein de parcs avec des pelouses inutiles où il n'y a personne qui va faire des pique-niques en plein soleil. Du coup, mettre une ferme urbaine en plein milieu, ça ne dérangerait pas. Je ne sais pas, au bois de Vincennes, au bois de Boulogne, sur le champ de Mars, allez, c'est parti. Ouais. Florian et Brice ont investi leurs économies personnelles et ont contracté d'importants prêts pour financer leur projet. Oui, salut Philippe, ça va ? À la différence d'une exploitation plus traditionnelle, ils louent ces terres au département via le label Natura 2000 qui impose un cahier des charges strict où tout est soumis à autorisation. Tu pourrais être sur le compte de l'URSSAF pour voir les derniers prélèvements. Ouais, ok, si on est à jour. Très bien. Allez, salut. Ouais, à tout à l'heure, ciao. Il y a quand même une grosse machine derrière. En France, on a la Chambre d'agriculture, on a la DRIAF, on a plein d'organismes comme ça qui veillent à ce que les terres cultivables soient bien cultivées. Donc ça part d'un bon sentiment, ça part d'une bonne base. Sauf que quand tu mets le pied dedans, le doigt dedans, tu te laisses bouffer par tous les engrenages qui viennent derrière et tu es obligé de passer un temps fou à remplir ces papiers pour être dans les cases en fait. Et nous, vu qu'on est en train de créer quelque chose de nouveau, l'agriculture urbaine, ça n'existe pas vraiment encore légalement. Donc on est à cheval entre les cases, on est entre le jardinier et entre le maraîcher. Et donc on échoue de case en case, de formulaire en formulaire, sans vraiment avoir un formulaire qui nous correspond. Même ne serait-ce que pour faire le dossier DJA, donc dotation jeune agriculteur pour Brice, on a un gros tableau à remplir qui est sur Excel et je maîtrise quand même assez Excel, je n'étais incapable de le remplir, on a été obligé de prendre une prestation à la chambre d'agriculture pour que quelqu'un nous le remplisse. Je vais voir la to-do list, il y a d'autres semis que les courges. J'ai mis une planche de courgettes dans le jardin 1, c'était normalement une planche de courgettes qui était en serre. On comprend aussi pourquoi c'est une agriculture de transmission. 99% des fermes, c'est le fils qui reprend l'exploitation du père, ou le fils ou la fille. Hein. Mais en gros, c'est fait pour quelqu'un qui s'y connaît déjà. Quoi. Tu sais, ton père qui va te transmettre la ferme et il connaît tout ce jargon. Et quand t'es néo, là, ça devient compliqué parce que t'as pas papa ou maman qui va te dire comment remplir ton formulaire et qui l'a fait toute sa vie. Et du coup, c'est un temps qu'on sous-estime parce qu'on a énormément de choses à apprendre en fait et on apprend tout seul. Seul, moi j'aurais abandonné, c'est certain. Ah oui, seul vous auriez abandonné. Ah ouais. Je pense que moi aussi parce qu'on s'est relayé sur certaines choses. Mais oui, ça peut décourager et faire peur aussi. On n'a pas la science infuse sur tout quoi. Donc nous, on est encore dans cette phase d'investissement et on a perdu un an sur le retour sur investissement. Donc c'est un peu la période critique là. Mais les tableurs, ils sont bons et l'argent, il va rentrer un jour. C'est prévu et ça marche. Vous êtes très optimiste. Et parce que c'est moi qui ai mis les sous, j'ai envie de les revoir. Comment vos proches ont-ils pris ce projet de vie, cette reconversion ? Est-ce qu'ils ont été inquiets pour vous ? Ouais, non, pour moi, c'était de l'enthousiasme. Hein.
parce qu'on parle justement d'agriculture urbaine et qu'on avait cette image joyeuse et festive de l'agriculture urbaine avec des concerts, avec des food trucks, le côté sympa. Moi, mes proches, c'était surtout ça. C'est genre, ah, trop bien, on va pouvoir faire des barbecues à la ferme. Le temps, alternance soleil, pluie, c'est la jungle des navets, quoi. Je raconte que les trucs cools. Ouais. Donc ils savent pas les trucs pénibles, je le dis qu'à la télé, ça. Bon, bah c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. On remet les voiles ? Ouais. On sait que ça va aller, donc il faut pas se prendre la tête non plus tous les jours. Faut aussi profiter de l'instant présent et profiter de ce qu'on est en train de construire et le voir ce qu'on a construit, voir jour après jour ce qu'on a fait. Est-ce qu'on se dit ça, parfois ? Eh bien, il faut prendre le temps de prendre le recul et de voir, regarde, on a construit cette serre, puis cette serre, puis cette serre, on a construit ce champ, on a monté la pépinière, maintenant on fait nos plans nous-mêmes, on a tel accord avec tel partenaire, il faut voir aussi les avancées. Et quand on voit le positif, le négatif, il nous fait un peu moins peur. Bah c'est ça qui fait qu'on continue aussi. Bah ouais, hein. On est tellement en fait, bien. C'est qu'on s'accroche. On essaye de rester positif malgré tout, quoi. Suite au décès brutal de son mari, Estelle a eu besoin d'aide pour comprendre tous les rouages administratifs et techniques de la ferme. Au niveau comptabilité, c'était extrêmement compliqué, je n'y connaissais strictement rien. Enfin, il y avait des papiers vraiment dans tous les sens. Donc, j'ai navigué à vue, en fait. C'est auprès de Marc et de Bernard, de l'association Solidarité Paysan Lorraine, qu'elle a trouvé l'écoute et le partage de connaissances qui lui manquaient. Bonjour Marc. On parlait du 10 juin, oui. Les 30 ans de Solidarité Paysan. D'accord. Et on a commandé le beau temps pour le jour-là. Ah oui, ça c'est une très bonne chose. On fait ça à la ferme de Pixer et Cours. D'accord. On s'est ramené Marc et Bernard se sont d'abord assurés que le projet de reprise d'Estelle était fiable et économiquement viable. Car en sacrifiant son salaire de fonctionnaire, Estelle a dû vérifier qu'elle pourrait maintenir le niveau de vie de sa famille. Pas mal de thèmes. À partir de quand allez-vous demander de l'aide ? L'aide, je l'ai eue dès le départ. J'ai eu l'apprenti de Jean-Paul qui était sur la ferme et puis la personne du service de remplacement. Et j'ai aussi eu la chance d'avoir plein de gens qui m'ont aidé comme Marc et puis d'autres agriculteurs qui sont venus m'aider à rentrer les bêtes parce que quand il faut rentrer le troupeau qui est disséminé dans différents parcs, c'est pas une mince affaire. J'ai eu vraiment beaucoup d'aide. On l'a aidé parce qu'il y avait un réseau. Jean-Paul faisait partie d'un réseau d'éleveurs, déjà par la bio, après par la race qu'il élève, la limousine, il y avait un réseau aussi. Donc voilà, ça s'est fait tout naturellement par rapport au lien qu'on avait avec Jean-Paul. Mais même si ça se fait tout naturellement, quand vous, agriculteur, dont c'est le métier, vous découvrez qu'Estelle va devoir gérer cette ferme, qu'est-ce que vous vous dites dans les premiers temps ? On savait que ce serait compliqué. C'est sûr que nous, en tant que professionnels, on se dit, mince, comment on va faire ? Alors, il y a la partie ferme, il y a la partie administrative qu'il faut aussi faire. C'est pas simple. Hein. Quand on y va progressivement avec un père ou avec un oncle ou avec un associé, ça se fait bien. Mais quand c'est brutal comme ça, c'est une découverte totale dans un monde. On tombe dedans. Oui. Mais après, je pense qu'elle savait qu'on pouvait l'aider. Donc, à chaque fois qu'il y avait un petit souci, elle appelait... ou des amis, ou des copains, de la famille, voilà, donc ça se faisait. Ça continue encore à se faire avec Fabien, de quelques fois, il nous appelle, problème technique, problème de ci, donc mais c'est les réseaux, je pense que ça, c'est pas chez tout le monde. On a créé un réseau de solidarité. Oui. Et là, où vous travaillez tous ensemble. On travaille tous ensemble, alors avec les difficultés que ça comporte, mais bon, on arrive à travailler tous ensemble. Là, c'est une situation dramatique et puis qui est arrivée suite à un accident. C'est pas souvent qu'on arrive sur des situations comme ça. On nous appelle souvent pour des problèmes économiques, des problèmes d'endettement.
Et après, quand on parle avec les personnes, bien souvent, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas dits au premier abord. Voilà. Mais des situations dramatiques, moi, je comprends bien la situation d'Estelle, parce que déjà, pour des paysans en place, c'est très difficile d'avoir un tas de métiers pour lesquels il faut être compétent. Il faut pouvoir produire des céréales, il faut être éleveur, il faut être vétérinaire, il faut être mécanicien, et maintenant, il faut être un bon administratif. Donc, c'est énorme comme travail. Moi-même, j'ai perdu un frère d'accident de tracteur. Pourtant, on était tous les deux, et j'étais paysan formé. Je reporte très bien le choc qui peut y arriver, parce qu'on perd un peu son équilibre, et c'est très difficile, pendant un certain temps, à reprendre le contrôle de l'exploitation. Et souvent, nous, on nous appelle très tard, et les situations sont très difficiles à remonter. Nous, dans nos accompagnements, on a une démarche qui est essentiellement humaine, parce qu'on trouve des personnes dans l'isolement, qui sont en phase de dépression, et notre première approche est toujours l'écoute. Qu'est-ce que les personnes vivent? Quelle est leur histoire? Sur quel point fort on peut s'appuyer? Et seulement après, si les personnes le souhaitent, on passe à la phase technique ou économique. Et ce qui est important dans nos démarches, c'est que les personnes qu'on accompagne restent maîtres de leur avenir, de leur dossier. Jean-Paul avait des valeurs, et Estelle a dit, les valeurs que Jean-Paul a, il ne faut pas qu'elles tombent comme ça dans l'oubli. Ouais. On sait ce que ça représente comme trésor, cette valeur-là. Ouais. Elle ne peut pas se faire autrement, sinon c'est pas une transmission, on cède l'exploitation et puis on s'en va. Ouais. Mais là, il y a autre chose. Estelle a continué de creuser le sillon de son mari, c'est parce qu'elle s'est sentie épaulée par ses confrères. Après l'épreuve, elle aussi s'est engagée pour aider d'autres familles endeuillées comme elle. Alors, on est combien aujourd'hui ? Eh ben, 10. Donc ça sera un bon groupe, on est nombreux. C'est bien. Ouais, c'est bien, je suis contente. Quelques années avant le décès de Jean-Paul, Estelle avait initié une formation pour devenir somatothérapeute, une approche thérapeutique qui vise à réconcilier le corps avec l'esprit. On va pouvoir avoir un sujet de conversation et puis après on les laissera un petit peu nous dire ce qu'ils en pensent. Ouais, c'est bien. Aujourd'hui, Estelle est bénévole avec Diane, psychologue, dans l'association Le Jour d'Après. Ensemble, elles organisent des groupes de parole pour aider les familles à se reconstruire après un deuil. Ce que je pratique à l'heure actuelle, c'est essentiellement un travail sur les émotions et le ressenti corporel, en fait, qui est associé à ces émotions. La somatothérapie vous a-t-elle servi au décès de Jean-Paul ? Complètement. Oui. Je me suis toujours dit, ça serait arrivé 15 ans plus tôt, je me serais effondrée, ça aurait été une catastrophe, j'aurais jamais repris la ferme, c'était impossible. Donc oui, c'est vraiment ce qui m'a transformée et m'a permis vraiment de vivre la manière dont je l'ai vécu. Voilà, pleurer, j'ai été en colère contre mon mari quand je cherchais des outils, et c'était OK. C'était OK pour moi. Je savais que c'était des moments à traverser et ça m'a énormément aidée. Mmh. Oui, bien sûr. Mmh. Vous aviez cette envie d'aider. Vous avez donc rejoint l'association Le Jour d'Après. C'est ça. Et Diane, vous êtes psychologue aussi. Je suis psychologue, donc c'est la différence parce que donc, l'association regroupe des professionnels à titre bénévole et aussi des bénévoles formés qui sont passés par des épreuves compliquées. Donc il y a une grande dynamique parce qu'on aborde tous les thèmes. Ça peut être des thèmes généraux comme les émotions, ça peut être le deuil par suicide, le deuil suite à une maladie. On évoque le suicide, Diane. Vous accompagnez des familles ou des femmes ou des époux de personnes qui ont mis fin à leur jour dans le monde agricole ? Parfois, mais ce que je me rends compte, en tout cas dans ma pratique, c'est surtout quand on les a très tardivement, quand vraiment ça va pas et qu'ils sont englués dans le processus de deuil et que voilà, ils ont essayé plusieurs choses, c'est compliqué. Après, on est dans une société où c'est quand même relativement compliqué. Vous avez 3 jours d'arrêt de travail et vous devez reprendre votre vie normalement, alors qu'on est dans quelque chose de tragique, d'extrêmement tabou. Et le simple fait de consulter un spécialiste, ça nécessite aussi déjà un travail sur soi.
Et dans un milieu où on est dans la performance, on est dans bah, « il faut que je me batte, j'ai pas de répit, c'est H24, c'est 365 jours par an », c'est pas trop dans les habitudes de lâcher prise et d'aller oser consulter. Donc nous, on est là pour les valoriser, pour les rassurer et puis pour essayer de les aider à, bah, à trouver des solutions par eux-mêmes et à peut-être s'ouvrir. Parce qu'effectivement, c'est un monde propre avec ses habitudes, mais peut-être que réintroduire de la vie sociale, sortir du milieu agricole et pas être qu'avec les amis exploitants, avoir d'autres ressources. Il existe des solutions. Il existe des solutions. Prendre du recul par rapport à sa situation individuelle, chercher de l'aide à droite, à gauche, y a plein de choses qui existent. Pouvoir exprimer son mal-être, extérioriser ses tourments, c'est tout le sens de la démarche d'Estelle dans un monde paysan d'ordinaire taiseux. Comme ça, on va les éplucher et puis on fera un beefsteak avec, tiens, si tu veux ma chérie, tu veux un autre plat ? En avril 2021, assailli par les dettes et les relances constantes des créanciers, Vincent, cultivateur et éleveur, met fin à ses jours. Moi, j'aime pas l'économe, je sais pas travailler avec l'économe. Ouais, tu gâches de la patate, là. N'importe quoi. Consciente et témoin de ses difficultés quotidiennes, sa femme Cathy n'avait pourtant pas perçu l'infinie détresse de son mari. Il me disait régulièrement j'arrive même pas à me sortir un salaire. Je suis pas bon à rien, mais c'était un petit peu dans ce sens-là, en disant moi aujourd'hui, je travaille au quotidien et j'arrive même pas à subvenir aux besoins de ma famille. C'était loin d'être évident pour lui, mais bon, moi personnellement, je me disais, on est ensemble, on s'aime, on marche ensemble. C'est déjà un beau cadeau. Non. Qu'est-ce qui ne fonctionnait pas selon vous ? C'était un matinée ? Oui, non. Il faut faire des investissements pour se mettre dans les normes et ça se paie, ça. Mm-hmm. Donc effectivement, le peu d'argent qu'il pouvait gagner sur l'entreprise était voué à rembourser des prêts et de l'achat de matériel et les mécaniciens, les vétérinaires. Enfin, il fallait payer les factures. Il faut, voilà, si on veut continuer aujourd'hui. Et puis ça, c'est quoi ? Une facture du sever. Des factures. Le tracteur est en panne, il faut changer la pièce. Mais pour aller changer la pièce, il faut payer. Il faut aller au garage. Oui. Donc là, c'est pareil. Si vous n'avez pas les moyens, on fait comment si on n'a plus l'outil premier pour travailler ? C'est un engrenage et un enchaînement qui est perpétuel et que voilà quoi. Et c'est un monde d'injustice, effectivement. On a beau essayer de passer des coups de fil, de s'arranger, de voir éventuellement. Ouais, c'était une colère. Et je pense que par la suite, il a baissé les bras. Ouais. Il s'est dit, bah allez-y. Vous voulez venir saisir le... Eh ben, venez. Votre mari a-t-il déjà envisagé de faire un autre métier pour justement pouvoir vivre de son travail en fait ? Tout à fait. Alors il y a une dizaine d'années, il y a eu mauvaise récolte, il y a eu la mortalité dans les veaux, donc un manque à gagner. Et justement, je lui ai dit, tu pourrais peut-être aller vers un autre boulot ou autre chose. J'ai dit, tu as tes permis, tes poids lourds, tes super lourds. Ouais. Il m'a dit non. Non, jamais. Je ne me vois pas faire autre chose. Ouais. Je pense qu'il voyait mal quelqu'un reprendre de ce que lui, il avait créé, enfin, ce qu'on avait acheté ensemble. Arrêter, c'était le déshonneur aussi. Oui. Entre agriculteurs, souvent, oh, mais il a fait faillite. Alors les gens, ils vont attribuer à. C'est un feignant.
Ouais. Il bosse pas, il quoi. Il a pas bossé. Ouais, voilà, c'est ça. Pas bien. Tout à fait. Il a fait des mauvais investissements. Il sait pas gérer correctement son entreprise. Alors qu'aujourd'hui, on voit que bien nombre d'agriculteurs sont dans des positions qui sont, voilà, précaires. Enfin, beaucoup. Mm-hmm. Claire et Jean-Simon ont perdu très jeune hein, leur père. Oui. Est-ce que vous gardez le souvenir qu'ils réalisent, eux, très vite, ce qui s'est passé, là? Mon fils, oui. Dès le lendemain, eh ben, il fallait aller donner à manger aux bêtes. Ouais. Il fallait y aller. Il y a eu un village. Et je sais pas comment il a fait. Je sais pas. C'est ce qui s'est passé, l'urgence embarque tout. Autre moi, à ce moment-là, au fond de ma tête, c'était « sauve-toi, barre-toi, sauve ta peau ouais. ». Mais je pouvais pas quoi, j'étais embarqué. Bleu, voilà, hein. C'est une vague, hein. Elle m'a emmené loin quoi, mm-hmm. sans possibilité presque de retour. Ouais. Donc ouais, j'ai dû apprendre en marche rapide, très violent. Prendre la mainmise totale sur l'exploitation a été très dur. J'ai dû faire des choses que je n'ai jamais faites. J'ai obligé d'apprendre à veler mes vaches tout seul. Comment est-ce que vous récupérez la ferme? Avec quel bilan vous avez devant les yeux? Quand j'ai ouvert les tiroirs, je savais qu'on était en difficulté, mais pas à ce point-là. Ça a été une surprise. Hein. Je savais qu'on devait on devait des sous à certains fournisseurs, mais... Oui. Là, il fallait s'arranger. Après, j'ai commencé à me projeter quand même à vouloir continuer à construire le projet que j'avais avec mon père, ce qui j'y tenais. Mon père y tenait aussi. Donc j'ai perpétué, ce qu'avaient fait mes grands-parents, mon père. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de continuer. Et puis je vais me battre pour être encore là demain. Jean-Simon se veut positif quant à son avenir. Le jeune agriculteur est parvenu à remettre la ferme à flot, même si l'équilibre reste très fragile. Après le suicide de Vincent, Cathy a été internée 3 semaines et suit toujours une thérapie. Jean-Simon a lui aussi consulté une psychologue à plusieurs reprises. Depuis 2 ans, la famille nourrit une profonde colère vis-à-vis du système. Dans l'année de son décès, on a vu des mails qu'il avait envoyés et qui étaient super touchants, comme quoi elle disait « Mais j'ai déjà eu recours aux médicaments, j'ai tout essayé et vous m'harcelez, vous m'aidez pas en fait. Vous voulez plus m'enfoncer, moi je veux réussir, je veux survivre, pas vivre, mais survivre. Et en fait, vous m'enfoncez. Oui. » Et au cours de son année de décès, nous... qui ont été quand même harcelés toutes les semaines par les organismes agricoles. Après le décès après de votre le décès, père. Après pendant un an, même ouais. plus, harcelés. Finalement, de la téléphone. Même manière, comme s'il ne s'était rien passé. Tout à fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Trois jours après, on a eu un appel comme quoi il devait des sous, on devait des sous, il y avait ça, il y avait ci. Mais attendez, mon papa n'est vous... même pas encore enterré que vous marcelez. Ah oui, c'est... Mais de quel droit? Vous êtes humain? Non? Je sais pas. Quand j'ai essayé de demander des échéanciers, mais on m'a répondu, mais ils nous devaient de l'argent, madame. Pourtant, c'est des organismes... Là où on a le plus de problèmes, c'est des organismes gérés par d'autres agriculteurs. C'est ça qui nous a le plus surpris. Mais vu qu'ils sont pas concernés... Ils n'en ont rien à faire. Ouais, c'est un peu un monde d'égoïste. Ouais. Ah oui, c'est totalement l'envers du décor. Hein. Solidaire, mais bon, quand c'est pas, ça ne touche pas leur intérêt, ils s'en foutent. Après, il y avait une question qui était plus simple, on va dire. Jean-Simon ne reprend pas, on vend tout, on boucle, on rembourse les dettes. Mais oui, mais c'est pas notre vie, quoi. Voilà, c'est... On le continue quand même. Enfin, tu le continues quand même. Ouais.
Est-ce que vous avez tout de même pris la décision de vous parler, de ne pas reproduire schéma de d'avoir des soucis et de ne pas en parler? Oui. Moi, je laisse tout ouvert. Hein. Oui. Maman, elle jette son coup d'œil quand elle veut. D'accord. Même à mes grands-parents, je leur dis tout. Hein. D'accord. Moi, je veux dire, message où il ne faut pas croire que ça n'arrive que chez les autres. Il faut parler, dialoguer, changer. Il faut être capable de dire non, ça ne va pas. Ouais. Voilà. Il ne suffit pas du soutien des proches. Alors oui, c'est très essentiel, c'est très important. Mais maintenant, il faut plus. Oui. Il faut que l'administration change. Un système. Il faut que ça change. Courage, en tout cas, à vous. Merci. Et merci beaucoup. Je crois que c'est le mot, courage. Merci, merci à vous. Ouais. Dans le combat quotidien que mènent des milliers d'agriculteurs, il y a le rapport de force avec les industriels de l'agroalimentaire. Alors, qui c'est qui a fait ça ? Après sa prise de parole dans l'émission Envoyé spécial pour dénoncer les pratiques de Lactalis, Régis se retrouve avec 7 autres confrères sans collecteur de lait. Il se démène alors pour trouver ou vendre sa production. C'est vrai que ça a été un autre épisode éprouvant, parce que j'ai envie de dire que la réponse négative, c'était un coup de massue à chaque fois. Quoi. Quand on commence à chercher une première laiterie, et puis là, premier refus, deuxième laiterie, deuxième refus, là, on commence à se dire, ouf, oula. Ça court pas les rues, les laiteries. Ben oui. Quand tu commences à parler, mais si on trouve personne, là, on n'a pas le choix, on n'a pas d'issue. De toute façon, on n'a pas le choix que d'arrêter, parce qu'on est obligé de jeter le lait, donc ça veut dire vendre les vaches. Ouais. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence que, de toute façon, ça, on n'y échappera pas. Et puis, je le prenais de plein fouet parce que je me sentais coupable. Oui. Donc, c'est moi qui passais les coups de téléphone, c'est moi qui envoyais les mails, c'est moi qui cherchais. Et donc, c'est aussi moi qui me prenais de plein fouet les réponses des secrétaires en me disant, de toute façon, on ne devrait pas vous le dire, mais... nous, notre laiterie, elle a des accords avec Lactalis et on ne touche pas à leurs producteurs, ils ne touchent pas aux nôtres. Vous êtes quand même la personne là, qui a cherché à nuire à la profession. Oui. Même le système coopératif, parce que j'ai contacté quand même 4 coopératives. C'est-à-dire 4 laiteries coopératives. Coopératives, voilà. Donc qui devraient n'avoir aucun. Procédé capitaliste, en tout cas du privé. Tout à fait. Mm. Elles avaient les mêmes accords. Quoi. Mais le nombre de messages que j'ai pu recevoir après le reportage, après, après la lettre commandée de la part de certains producteurs sur « c'est bien fait pour ta gueule » et le nombre de lettres anonymes que j'ai reçues. Quand on cherche la merde, voilà ce qu'on récolte. Et où tu te dis, mais ils attendent quoi de... Alors, ils sont en train de gueuler, parce que le prix du lait est trop bas, ouais. Mais à côté, quand il y a moyen de faire évoluer les choses, ils ont encore la trouille et ils sont encore jaloux de celui qui le fait. Donc, ça faisait déjà un petit moment que j'avais l'impression d'être lâché par la profession. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous dites, mais il n'y a plus rien ? Moi, je l'ai eu pendant 15 jours. Le désespoir et le fait accompli de se dire de toute façon là ça va s'arrêter. Régis est reçu 2 fois au ministère de l'Agriculture pour exposer sa problématique et celle de tous les producteurs de lait. Mais sa situation reste bloquée jusqu'à un appel qui va tout changer. Ça va ? Voilà. Fort. Ouais, ça va, comme à chaque fois que je viens là. Nicolas Chaban est l'entrepreneur qui a créé la marque. C'est qui le patron ? Cette année, on aura des vacances ? Ouais, ça, ce sera fin juillet. Une coopérative de consommateurs qui rémunère le producteur de lait au juste prix. On prend chacun 15 jours cet été, donc on commence par Rémi pendant 15 jours. Vous tournez ? Oui. Okay. Nous, on était déjà un collectif de consommateurs. Et en tant que consommateur, on s'est dit, mais combien il manque aux éleveurs
qui sont en détresse absolue pour vivre. Et quand on a posé la question sur un litre de lait, la réponse a été 8 centimes par litre. Tout est parti de là. On nous a dit, mais si vous rajoutez 8 centimes, ils retrouvent le sourire, ils ont une vie normale et ils ont des vacances. 8 centimes fois 50 litres, c'est la consommation annuelle par an et par habitant, est arrivé devant nos yeux d'abord un peu étonné. 4 euros de plus par an rajoutés sur notre consommation de lait, ça redonne le sourire à Régis et à tous les producteurs. Et là, on s'est dit, bah, on va demander aux marques, puisqu'on est quand même, nous, les consommateurs, un peu ceux qui faisons grandir les marques, de le faire. Les marques ont dit non, pour différentes raisons. Et on s'est dit, bah, on va faire notre marque à nous, de consommateurs. Et la coopérative a fait naître une brique de lait solidaire des producteurs, où c'est le producteur qui fixe le prix du lait et personne d'autre. Et ça, ça a tout changé. En fait, avec quelques euros de plus, on est capable de sauver des milliers de producteurs en France qui, en retour, vont nous faire des produits de qualité, durables, et qui vont pouvoir céder leur ferme à un plus jeune qui fera la même chose pour nos enfants. Ça n'a rien de comparable avec ce qu'on a pu vivre. Enfin, là, vous allez au boulot, mais avec tellement de plaisir et avec tellement d'envie. Parce que c'est tellement compliqué dans le métier d'éleveur de se lever le matin en se disant de toute manière ce soir ce sera des dettes et ce sera du stress en plus. Et quand on peut vivre aussi paisiblement que ce qu'on peut connaître aujourd'hui, sincèrement je le souhaite à tous les producteurs de France et d'ailleurs parce que c'est fantastique. Sur cette terre il y a encore des gens bien. Ouais. Ça existe encore. Et ça c'était quelque chose de... Ouais, j'ai du mal hein, parce que... Oui. Parce qu'à l'époque, c'était dur, mais... Et vous n'aviez pas croisé que des gens bien. Mais c'est ça. Mmh. C'est... Ouais. Vraiment, au-delà de redonner le sourire, ça vous redonne vraiment le moral. À 35 et 42 ans, Florian et Brice ont eux tout quitté pour se lancer il y a 4 ans dans l'agriculture urbaine en plein territoire de la Seine-Saint-Denis. Ce qui est bien avec l'agriculture urbaine, c'est que tu peux avoir des loisirs citadins encore. Je peux très bien aller au théâtre à Paris le soir et avoir les mains dans la terre la journée, quoi. Et ça, je trouve ça génial. Je me sens riche, mais vraiment, quoi. Mais cette transition n'a pas pris le chemin qu'ils espéraient au départ. Outre les difficultés financières, les deux amis ont appris à composer avec un métier régi par les conditions météo. Depuis un an, ils manquent d'eau pour arroser leur exploitation maraîchère. Un aléa lié à leur situation géographique. Ah oui, c'est la merde. Mais c'est pas grave, merci. C'est une problématique là, vraiment critique en ce moment, effectivement. On a foré dans une poche d'eau, en fait. On a foré à 10 mètres, 14 mètres. Et en fait, il se trouvait que c'était juste une poche d'eau qu'on a épuisée. Et là, du coup, on n'a plus d'eau. Donc on a fait une demande d'autorisation de forage plus profond pour aller chercher de l'eau à 40 mètres, mais voir si ça ne rentre pas en compétition avec les eaux de la ville, parce qu'il ne faudrait pas forer dans les nappes phréatiques d'eau potable non plus, qui sont assez proches. Donc ça demande des études très précises et qui prennent beaucoup de temps. Donc là, on s'est pris encore 6 mois d'études de dossier pour apporter des précisions. Et nous, on n'a pas forcément le temps d'attendre tout ce temps, en fait. C'est-à-dire que là, on a épuisé la poche d'eau, donc on doit se débrouiller avec un système de récupération d'eau de pluie et des arrosoirs. On en est là aujourd'hui, on arrose à l'arrosoir, quoi. Et voilà, le coin on est réduit, je te jure. On a une grosse sécheresse en février, là, il n'a pas plu de l'hiver, donc c'était quand même très compliqué à gérer. On a récupéré pas beaucoup d'eau de pluie et on se dit que les nappes n'ont pas pu se remplir. Et même peut-être la poche d'eau, elle pouvait se remplir un peu. Ça nous fait, je sais pas, 600 litres par jour, mais c'est ridicule par rapport à nos besoins, quoi. Voilà, c'est notre façon moderne d'arroser, hein, voilà. Ça, c'est merci l'administration française. Est-ce que vous avez une idée du moment où l'exploitation va commencer à être rentable? Eh bien, normalement, ça aurait dû être cette année. Mais on n'est plus vraiment dans ces objectifs-là. Du fait qu'on n'ait pas d'eau, on n'a pas pu lancer notre saison comme on voulait. On sait qu'on va vendre
mais on ne sera pas à quelle hauteur, enfin ça couvrira jamais si tu veux nos charges. Et forcément, bah, c'est de l'argent, des revenus en moins pour nous, quoi. Et l'an prochain, ça sera la bonne. Floriane et Brice ont fait le choix de vendre leur production en circuit court, directement aux clients et uniquement dans un rayon de 1 km. Allô Jean-Claude, comment tu vas? C'est dans tes cuissons là, c'est bon, je te dérange pas? Qu'est-ce que j'ai de bon là en ce moment? Alors en ce moment, bah, c'est la saison des navets bien sûr, des blettes, on a des épinards et puis on a aussi des petites salades. Hein, mais toi je sais que t'es pas brasserie, c'est ça? Tu vas encore me refouler mes salades? C'est ça. Non, c'est bon la salade, mais voilà. Mets-moi 3-4 kilos d'épinards et mets-moi 2 kilos de boules d'or. Allez, ça marche. Je te livre à ton restaurant cet après-midi vers 15h, je pense. Eh ben, 15h, parfait. Ouais. Bien, c'est parti pour la récolte. Mais à ce jour, pour vivre sereinement, Brice et Floriane doivent cumuler le travail à la ferme avec un autre emploi salarié. Un rythme de vie intense qu'ils espèrent pouvoir calmer prochainement. Je suis surveillante à l'internat des mineurs à l'INSEP, donc l'Institut National du Sport. Et donc, il y a certains soirs, du coup, je commence à travailler à 20h. Et voilà, c'est sûr que ça fait des... À la fin, on additionne le terrain, le bureau, plus s'occuper des internes le soir, ça peut faire des grosses journées. Vous avez imaginé des nouveaux projets hein, pour votre potager, afin que l'affaire devienne rentable? Mais les projets, c'est de développer, en fait, vraiment, du fait qu'on soit dans un contexte très urbain. Pour nous, c'est important de faire en fait du lien avec le territoire et ce côté transmission. Et du coup, développer toutes ces activités, les activités pédagogiques, faire venir du monde, sensibiliser, faire des animations, des événements aussi, ça peut être des événements. C'est aussi un peu notre mission, quoi. Et effectivement, ça nous permet de nous diversifier et de ne pas tout miser sur la production. Et donc, heureusement qu'on a ces activités-là aussi, qui sont effectivement source de revenus également. Quel type de public allez-vous recevoir dans le cadre de ces sensibilisations? Alors, on reçoit des publics en âge, ça va vraiment de 5 ans à 99 ans. D'accord. Et ensuite, on accueille des groupes de jeunes qui sont accueillis dans les établissements de l'aide sociale à l'enfance. Et pour nous, ça a pris encore plus de sens parce que je pense que c'est des publics qui ont besoin, en fait, de faire des activités qui les sortent de leur quotidien, qui les reconnectent à quelque chose, qui les valorisent aussi. C'est voilà, ils mettent les mains dans la terre, hein, comme nous. C'est arrivé plusieurs fois que j'ai des éducatrices ou éducateurs qui me disent « Oh là là, mais un tel, je le reconnais pas, quoi. Normalement, il est infernal, il est ingérable. Et là, il est tout calme, il écoute, il applique les consignes, il est motivé, il en redemande, voilà. Nous, c'est ce qu'on recherche, hein, c'est qu'ils arrivent là et qu'il se passe réellement quelque chose de presque thérapeutique, quoi. Alors que l'agriculture en France est malmenée et menacée, Floriane et Brice ouvrent la voie à une nouvelle façon de produire et de transmettre. Tout comme Estelle, Régis ou Jean-Simon et sa famille, les femmes et les hommes de ce film ont la passion de la terre chevillée au corps. Dans un monde paysan en pleine mutation, ils prennent chacun leur part pour réinventer et faire perdurer une profession qui nous nourrit toutes et tous chaque jour.